Bonjour, alors je fais un petit commentaire, un petit témoignage par rapport à la formation d'hypnose que j'ai suivie avec William, Elsa et Julie pour vous faire un petit retour sur tout ce que j'ai vécu pendant la formation de base et puis ensuite la formation de perfectionnement. Voilà, ça a été, j'étais de découverte en découverte, si on peut dire. Déjà pour reprendre confiance en moi, parce que on arrive très vite à voir que pendant la formation de base, on peut tous hypnotiser quelqu'un, à comprendre ce qu'est l'hypnose, à comprendre les différents degrés d'hypnose. Et voilà, tout au long de la formation, on acquiert des techniques. Donc en fait, ce qui est bien dans cette formation, c'est qu'on a une partie théorique, on a une partie pratique, on a des démonstrations. Et en fait, on peut toujours voilà, poser des questions, s'enrichir en connaissances. Et puis quand on a le moindre doute, ben, les trois formateurs sont là. Ils sont vraiment différents. Donc en fait, ils ont tous une façon d'aborder le sujet d'hypnose et d'aborder surtout la façon de mettre la personne en hypnose, les techniques différentes, ce qui fait qu'on peut se reconnaître aussi dans notre comportement et celui des hypnotiseurs, enfin des formateurs. Donc on a toujours un repère pour préférer faire comme ça ou comme ça, d'une façon ou d'une autre. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir que les trois formateurs sont à l'écoute et qu'on peut poser plein de questions. Même après la formation, on peut rester poser des questions. Vraiment, c'est vraiment très agréable, dans la bienveillance et la bienveillance et la joie. On rigole en même temps, donc vraiment c'est chouette. Et ce qui nous apporte aussi beaucoup. Beaucoup de richesse intérieure, c'est que pendant la formation, on va apprendre des techniques pour nous guérir, puisque nous soigner, pas nous guérir, c'est pas le mot, mais nous soigner aussi, enfin avoir des techniques pour aller mieux, parce que en fait, en faisant les techniques sur les autres nous les font aussi, et du coup, on va aller de mieux en mieux aussi. Donc on va reprendre un peu confiance en nous, on va gérer notre stress, on va vraiment aller régler tous les problèmes de notre vie. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Et on voit notre transformation, mais on voit aussi la transformation des gens qui étaient avec nous en formation. Donc c'est vraiment, vraiment super. Et voilà, de formation d'hypnose de base en hypnose de perfectionnement, ben on apprend vraiment beaucoup de techniques qui peuvent nous permettre d'avoir tous les outils entre nos mains pour ouvrir son cabinet ou vraiment si pour le plaisir, celui qui veut pour le plaisir. Mais c'est tellement enrichissant personnellement et on peut tellement avec ces techniques d'hypnose, tout ce qu'on a appris, donc tellement apporter l'aide aux autres. Donc il faut foncer quoi, faut y aller parce que c'est que du plus pour soi, pour les autres, pour faire sa profession. Et puis voilà, chaque technique est vraiment particulière. On va apprendre plein de choses sur pour aider les gens dans des problèmes de peau, dans les deuils, dans la séparation, dans l'émotionnel, vraiment plein de techniques merveilleuses. Et elles apportent toutes des choses différentes à des niveaux différents de notre inconscient. Donc on apprend vraiment ce qu'est notre conscient, notre inconscient, ce que nous apporte l'hypnose. Voilà, moi je vous la conseille parce que voilà, c'est que du bonheur. La formation de base était tellement bien que aussitôt j'ai sauté sur la formation pour aller à la formation de perfectionnement. Et je vais peut-être, même très vite, j'espère, dès que c'est disponible, aller vers une formation complémentaire qui va être proposée. Et voilà, je vous le conseille aussi parce que les trois formateurs sont super. Ça nous enrichit nous. Les autres sont enrichis aussi de ces belles expériences. On a des groupes sympas, c'est convivial et voilà, que du bonheur. Que du bonheur, allez-y, allez-y, c'est important.